Bonjour, la partie 2 de la fonction recherche V. Fichier Excel, formation, recherche. On s'est arrêté au niveau de la main-d'œuvre. Donc ici, dans ces erreurs, on doit multiplier par la quantité. D'accord? Il passe 50 minutes et ici il passe 1 heure. Le montant de la main-d'œuvre. Le montant de la main-d'œuvre est égal à la fonction heure pour extraire la partie heure ici. Hein, d'accord, multiplié par 200, la cellule D17, 230 francs par heure. Et on fixe, d'accord, on ferme la parenthèse, plus. Parenthèse, donc on extrait la partie minute de celle-là, donc 50 fois, c'est la règle de droit ici, donc F4 divisé par 60. Donc on ferme la parenthèse ici, donc la parenthèse ici et ici. Et on tire vers le bas. Pour les autres, donc, on trouve 0. Ici, pour la remise, on a la quantité de remise, donc c'est 4 pour avoir, par exemple, 4 du pneu pour avoir 15% de remise. Ici, il n'y a pas de remise, pour celui-là, 2, ainsi de suite. D'accord. Donc, ici, on doit utiliser la fonction si la quantité, celle-là, elle est supérieure ou égale. On fait appel à la fonction recherche V. L'article point virgule. Donc ART, la plage, donc numéro index, on compare avec le 4 et 0. Si on trouve ça, donc on doit faire appel à la fonction recherche V de l'article pour afficher la remise. ART, point virgule, 5, point virgule, 0. Sinon, donc, on revient. Si la quantité n'est pas supérieure à la quantité de remise, donc on va afficher 0. On tire vers le bas. D'accord? Donc ici, par exemple, il y a 4. Hein. Pour le volant, il n'y a pas de remise. Par exemple, si on change à 1, il n'y a pas de remise, 0%. Si on change en 4, donc, vous voyez ici, il y a 15% de remise. Donc, pour enlever les NA, on va ajouter la fonction si erreur et on met un 0 à la fin. On tire vers le bas. Donc, pour le prix total, il est égal à prix unitaire fois la quantité. Donc, fois A plus la remise. Hein, d'accord? Donc, on doit retrancher la remise. Hein, plus le tarif de la main-d'œuvre. On tire vers le bas. Donc, ici, on fait la somme. D'accord? Je vous remercie pour votre attention.